Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler d'une série animée qui est intéressante, une nouvelle que Netflix prépare. Alors, quand Netflix fait des séries animées, ça fait un peu peur. On va pas se mentir, parce qu'on a tous en mémoire les Chevaliers du Zodiaque qui étaient bien, bien, bien éclatés. Mais bon, jusqu'ici, ils sont plutôt bien repris, ils ont eu des projets intéressants, donc pourquoi pas, après tout, c'est que ce n'est qu'une série animée et ça va être difficile à rater ça. Quand même, parce que c'est quand même connu. Et on va parler des Ghostbusters. Il faut savoir que Ghostbusters, les SOS fantômes en français, et ben, il y a des séries animées et elles ont toujours été excellentes. Il y a une qui date des années 80-90 qui était excellente. Il y a celle des années 90 que je personnellement je trouvais encore mieux. Donc une nouvelle série, moi ça m'intéresse. Ça va en espérant que voilà ça fait quelque chose d'un peu plus ça s'inspire un peu de la série d'avant et ça essaie de faire quelque chose de mieux, de se démarquer aussi, proposer des choses intéressantes. Parce que la deuxième série, s'était totalement démarquée, avait une sacrée paire de coronesses et vraiment a pris des risques en prenant des personnages anciens et nouveaux. Et ils avaient fait une dinguerie, c'était incroyable. Donc moi, si on part de ce concept-là, moi ça me plaît, faire quelque chose de nouveau et pas faire quelque chose qui a déjà été fait. Donc, ouais, moi, carrément. En plus, c'est les SOS fantômes. Comment tu rates ça? Non, mais c'est vrai, ils ont fait 4 films. Le 3 était le moins intéressant des 4. Mais le 4 était plutôt pas mal. Un peu long, mais pas mal. L'histoire était plutôt bien écrite. Donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.